Dans le cadre d'une soirée entre paroles et musique, l'écrivain Marcel Néré et l'artiste slam Black Callaghan présentaient leurs œuvres au Centre culturel de Rivière-Salée. Une jolie initiative à saluer, prise par le Centre culturel de Rivière-Salée, réunir artistes et écrivains pour des rencontres entre paroles et musique. Ce vendredi 17 janvier, c'est l'écrivain Marcel Néré qui présentait son dernier ouvrage, La Véranda des songes, écrit en 2012. Une très belle lecture appréciée d'un public attentif. Monsieur Néré, également enseignant à l'université, y expose son rêve de révolution. En faisant le va-et-vient entre le passé et le présent, il dénonce les dures réalités sociales du pays. Après Le souffle d'Édith en 2002 et Tambouillé en 2005, c'est le troisième roman de cet intellectuel passionné de littérature mexicaine. En seconde partie de soirée, le centre accueillait un artiste slam très apprécié, Black Callaghan. Ce jeune du Morne Rouge a posé sur un album magnifique, Cicatrices, ses textes à la fois touchants, parfois drôles, mais toujours tellement justes et éveillés pour un si jeune homme. Du slam de grande qualité avec une musique particulièrement soignée, créée en réponse à la parole. Autour de lui, des musiciens de très haut niveau et d'univers particulièrement riche. Le pianiste Franz Lorac, lui-même auteur-compositeur talentueux, Kevin Torres à la guitare, qui très souvent accompagne les chanteurs à succès. Izzy Kenenga, Princess Lover, La Veille à l'Atrium. Pour ne rien gâcher, les choristes étaient aussi jolis que leur voix. Une soirée qui s'est terminée autour d'un cocktail avec séance de dédicace des artistes. Un très beau moment de partage. Le Centre culturel vous invite à vous rapprocher de ses services, car d'autres événements sont en préparation. Une bien belle façon d'animer les nuits saléennes. Ouvrez les portes et les fenêtres. Ouvrez toutes les issues, que je sache d'où je suis issu. Ou dis-moi qui créole pas bon. Créole c'est pas pièce langue, pas nation. Créole c'est batinet qui pas apprendre pièce lisson. Créole c'est langage polisson. Mais pas créole au moins, m'en dit d'autres ambitions. Pas créole au moins, faut que ça vaut si ma mission. Révolutionnaire, à visage découvert, sans cagoule, parce créole au moins, biotique.